Yep les gens, c'est Gotix et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur The Hunter. On est en chasse, enfin on va chasser le lapin de Garen sur la carte Val des Bois. Donc là j'ai trouvé un petit emplacement pas mal pour l'instant. Alors il y a un terrier là, un là et je crois un autre derrière. Et là, il y en a quatre. Il y en a un là, un là, un là et un là. Donc, un bon petit spot, je pense. Pour l'instant, enfin, je viens d'arriver sur le spot, je viens de le trouver. Et j'ai vu un ou deux lapins, je crois, pour l'instant. Donc, mais je les ai pas tirés encore. J'ai attendu de lancer la vidéo avant de les tirer. Donc, voilà. Donc là, normalement, j'ai mis voilà, un truc pour pas que les lapins repèrent mon odeur. Et je me suis équipé de mon fusil, comme vous savez, hein, pour tous ces épisodes, quasiment sauf la chasse au canard. Ah, là, le premier. Yes. Oh, il y a eu un bug de son. C'est comme si j'avais tiré deux cartouches. Bon, voilà, on a tiré le premier lapin. Donc, oui, comme je vous disais, comme vous savez, ce F3 Blazer est mon fusil de chasse, enfin voilà mon fusil de chasse préféré, donc un fusil de coup superposé, donc je trouve qu'il est très très précis et vraiment pas mal. Il est puissant. Yes, le deuxième. Ça commence à... Bon. Allez, un petit peu. Oui, donc je vous disais, dans toutes mes vidéos là, que je vous ai présentées les dimanches, ou bah, les autres jours, un ou deux jours après, c'était avec cette arme. À part la chasse au canard, dont là j'utilise mon calibre 20. Alors je me souviens plus du tout le nom du fusil, je sais que c'est un calibre 20, un 3 coups, donc spécial pour le volatile. Voilà, pour le canard, je prends principalement ce fusil, mais sinon pour tout ce qui est faisan, lapin. Lagopède, c'est principalement le F300, le F3 Blazer. Donc là pour l'instant, deux petits lapins, c'est pas mal, ça va. Alors j'hésite à changer d'emplacement, soit mettre sur celle-ci là, ou alors sur celle-ci, mais le problème c'est que j'aurai peut-être moins de visibilité sur ces 4, mais le problème c'est qu'ici je n'ai pas énormément de visibilité sur ces petits terriers. Donc ouais, on va rester comme ça pour l'instant, on va attendre, on va peut-être s'accroupir un peu, voilà. Donc pour aujourd'hui j'ai décidé de vous refaire une petite chasse au lapin, car j'ai vu que ça vous avait... Ah. Et au tir! Putain, l'enculé, il a pas voulu tirer. Bon, je crois que c'est ma souris qui... Et elle doit plus avoir énormément de batterie, parce que c'est une souris sans fil. Bon, c'est pas grave. Alors, je me souviens... Ah oui, j'étais en train de vous dire que j'ai vu ce tube que vous avez apprécié la première chasse au feu, au lapin que je vous ai fait. Il est où là? Donc je me suis dit pourquoi pas vous en représenter une autre. Donc voilà, je me suis dit allez go, on y va. En plus c'est le lapin comme vous savez. Je trouve ça assez bien chassé. Bon, le seul petit défaut je pourrais dire sur le lapin, c'est que pour chasser le lapin... J'ai entendu un autre. Je sais pas où il est. Là. Voilà. Donc comme je vous étais en train de vous dire, le seul petit défaut que je trouve à la chasse au lapin sur The Hunter, c'est que c'est pas comme en vrai ou par contre, je veux dire, on va marcher comme ça, et puis d'un seul coup le lapin, fou, il nous décolle, enfin pas il nous décolle parce que c'est pas un oiseau, il part à nos pieds, et non, voilà, sur The Hunter, dès que vous approchez un peu trop près, les lapins, ils fuient, donc... C'est aussi bien, voilà, bon, un petit quatrième ou un cinquième, je me souviens plus. Donc, c'est quand même pas mal. J'aime bien chasser le lapin. Mais voilà, le problème, c'est qu'on reste fixe à un endroit, là, entre le terrier, bam, le lapin, il sort, on tire.
Alors que moi, j'aurais préféré, par contre, qu'on marche, voilà, tranquille dans les bois ou dans les plaines, et d'un seul coup, en fait, le lapin, bam, il part à nos pieds, on va dire, un peu comme le faisan, en fait, où le faisan, si on siffle pas, le faisan décolle quand on vient lui marcher dessus. Et ben voilà, j'aurais aimé que le lapin, ça soit un petit peu pareil, et pas que ça soit, on va dire, en chasse. Entre guillemets, posté devant des terriers. Voilà, j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus réel et que les lapins nous partent dans les pieds. Mais bon, c'est comme ça. Les créateurs de The Hunter ont voulu faire comme ça. C'est leur choix. Moi, ça me plaît. Personnellement, ça me plaît. Mais j'aurais préféré, voilà, plus, on va dire, cette version de chasse. Plus, encore un petit peu plus réaliste. Un petit peu plus poussé. Mais bon, c'est comme ça. Mais ça change en rien. J'aime beaucoup la chasse aux lapins de Garen sur The Hunter et principalement sur Val des Bois. Et je pense que je vous proposerai vidéo, alors peut-être pas dans la continuité de cette série, mais une chasse aux lapins de Garen, je crois que c'est lapin de Garen, mais sur la map, celle des kangourous, je me souviens plus du tout le nom de la map. Et donc voilà, on verra ça pour une prochaine vidéo. Bon. Allez, il y a peut-être bien qui vont partir. On va s'allonger. Pour l'instant, je n'entends aucun lapin. Donc là, je pense qu'ils sont bien cachés dans les terriers. Ils ont raison. S'ils veulent pas se prendre un... Oh, peut-être que je recharge, il me reste une cartouche. Voilà. Comme vous voyez quand même, il y a pas mal de traces, donc c'est-à-dire qu'il reste encore pas mal de lapins. Voilà. Bon. Non, alors ce qu'on va faire, on va déjà aller ramasser les lapins que j'ai tirés. Donc, ah, ça c'est un femelle, je crois. Ah, c'est un mâle. Un mâle, 1,6 kg. C'est pas mal. Avec un score de 1584, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc à côté. Ah, c'était. Oh merde. Donc à côté, c'est un mâle d'1,7 kg avec un score de 1685. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, je crois que j'en ai pas tiré. J'ai dû en tirer un. Par là. Non. Là. Voilà. Donc là, un mâle d'1,7 kg. Voilà. Tête, cou, oreille, droite, oreille gauche. Bon, il a pris du plomb. Il a mangé du plomb. Celui-là avec un score de 1661. C'est plutôt pas mal. Donc, il en reste un ici. Mais je crois qu'il doit en avoir un autre. Ah oui, il y en a un là et un qui sortait la patte du terrier, un mâle 1,5 kg. Pensant j'ai fait que des mâles. Là, ouh, celui-là, il a ramassé 1,8 kg. Oh, un score de 1812. Ah, ça, c'est du joli lapin. Ah, ça, je suis assez content là. Là, franchement. Donc, je pense qu'il en restait un autre. Parce que je crois que je n'en avais pas tiré que 4. J'avais dû en tirer un ou deux de plus. Mais il faut que je le retrouve. Ah, il y en a un qui est blessé. Il a dû mourir par ici, je pense. Quand même. Un lapin, dis-moi pas qu'il a survécu à... survécu à 10 mètres d'une cartouche, d'une ou deux cartouches de plomb quand même. Bah si, peut-être. Bon, bah tant mieux pour lui, hein, s'il se fait peut-être un survivant. Ah, j'aurais dû prendre mon chien. Car oui, je me suis... Enfin acheter le chien
de recherche de sang, donc ça faisait un petit moment que je voulais, mais voilà, j'étais. J'avais. Voilà, tu vas me dire, j'avais pas énormément d'argent, donc je l'ai pas acheté tout de suite, et là, bah, je me suis allé, pourquoi pas l'acheter maintenant. Donc voilà, je l'ai acheté. Moi, j'aimerais bien réussir à monter sur ce putain de rocher. Je sais pas si je vais pouvoir. Ah si, voilà. Là. Voilà, donc on va se poser ici. Hop. On va reprendre le fusil. Et on va attendre les petits lapins. Alors c'est vrai que tout à l'heure, avant de commencer, c'est vrai que j'ai pas fait le tour un petit peu plus grand. Ça se trouve, il y a d'autres endroits, peut-être par là-haut ou par là-bas. Encore avec des taillés, donc je sais pas, c'est vrai que j'ai pas fait le tour. Quand j'ai vu que là il y avait pas mal de taillés, c'est vrai que je me suis arrêté par ici. Mais j'aurais dû peut-être regarder un petit peu plus loin. Mais bon, c'est pas grave. Allez. On va attendre que les lapins sortent. Chevreuil qui doit être peut-être quelque part par là, si je l'ai entendu. Ouais, bref, de toute façon, on s'en fout, on n'est pas là pour chasser le chevreuil, on est là pour chasser le petit lapin de Garenne. Bon, ça serait bien qu'il y ait un petit lapin ou deux qui sortent là quand même, parce que. Si je sens qu'il va pleuvoir là sur le jeu, ça s'assombrit fortement. Allez. J'entends strictement rien. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de lapin. Ah, j'ai quand même envie de retourner sur sur mon cube de tout à l'heure. Je pense que j'ai peut-être un petit peu plus de chance de pouvoir retirer sur du lapin. Donc je vais retourner sur sur mon rocher. Voilà. Voilà, donc là, on va attendre 5 minutes. Oh, je vérifie si voilà encore un quart d'heure de. Ah, oulala, toi t'es mort. Voilà. Ah ça. Ah ah, il y en a un autre. Putain, j'ai bien. T'as eu de la chance, toi. T'as eu de la chance. J'avais pas eu le temps de recharger, je t'ai entendu. T'as eu de la chance, petit lapin. Bon, ça va, j'en ai au moins tiré un sur deux. C'est pas mal du tout. Pour l'instant, une jolie petite chasse au lapin. Il peut avoir mieux des fois, hein. Il y a des fois quand je suis pas en vidéo, quand je chasse le lapin, il arrive que des fois il y ait 3-4 lapins qui sortent d'un coup. Et donc là, c'est vrai que quand on est tout seul, c'est un peu stressant car voilà, on essaye que les deux balles, que les deux cartouches tuent, mais des fois bah, on n'en tue pas. Bon, des fois il y en a quatre qui sortent et on n'arrive pas à en tuer un. Ou alors des fois c'est marrant quand on est plusieurs et que là ouais il y a 3-4 lapins qui sortent d'un coup, donc t'entends les coups de fusil qui s'attirent dans tous les sens. Et ça aussi c'est pas mal. Bon allez, un petit lapin. Et un marin qui va sortir. Non, ils veulent pas. Bon. Bah, c'est comme ça.
Allez. Des fois, c'est vrai que c'est un peu long. Des fois, bah, ça sort toutes les 5 minutes, comme la première vidéo que je vous ai fait au lapin. Donc, je chassais avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de... Ah, j'ai cru en avoir entendu un. Hein. Il y avait quand même énormément de lapins qui sortaient d'un coup. Et là, c'est vrai que c'est un de... Ah! Yes! Allez. Ils vont peut-être continuer à sortir. C'est vrai qu'il y a pas mal de taillés et 8 taillés, les lapins. Sont pas sortis de tous les taillés, surtout d'en bas, je trouve. Bon, ça me va parce que je suis en hauteur, donc j'ai un petit peu plus de vue. Et c'est vrai que sur cela, à part celui-là, mais les autres, celui-là, j'en ai pas vu un sortir, il me semble. Enfin, je me souviens plus. Voilà, j'ai un peu plus de chance avec les 4 terrains du bas. Bon. Allez, les petits lapins, on sort. Non, vous voulez plus sortir? Bon, et ben allez, ce qu'on va faire, on va ramasser les deux lapins que j'ai tirés. Bon, hop, un mâle 1,6 kg avec un score de 1640. Ouais, c'est encore pas mal, hein. Ah, je l'ai tiré deux fois. Merde, j'ai plus le temps. Ah, c'est peut-être un lapin que j'avais blessé. Il me semble avoir vu que j'ai. Je vais tirer deux fois dessus. Putain, mais j'ai pas tué de mal hein, sur cette chasse. Un lapin de 1741, c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre un petit trophy shot juste pour le dernier. Voilà, allez. Donc voilà, ouais, donc je vais arrêter la vidéo ici. Donc si t'as aimé cette chasse au lapin de Garen, n'hésite pas à me le marquer dans les commentaires et n'hésite pas à t'abonner aussi si tu veux voir de plus en plus de vidéos The Hunter sur ma chaîne et aussi bien sûr d'autres vidéos je ne fais pas que du The Hunter, mais c'est vrai que là ces temps-ci je me concentre énormément sur The Hunter car c'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément. Donc voilà, donc n'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner, et puis moi je te dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.